concert inédit que celui donné par le groupe Trendy Moderne, Tifoum, à l'Institut français du Congo à Pointe-Noire. Pendant plusieurs heures, cet ensemble musical, dont la notoriété n'est plus à présenter, a produit un spectacle de grande dimension, avec un répertoire riche tiré des vestiges du royaume Luangu, au point de convaincre les plus sceptiques en matière de musique tradi moderne. Je peux dire que nous sommes très flattés parce que M. Lely, qui est le leader de ce groupe, est en train de vouloir un peu ressusciter un peu la culture Luangu qui était en berne. Le style, vous savez que Tifumba, c'est presque un ensemble qui fait un peu du tradi moderne. Donc un peu, il y a un peu le folklore de chez nous. Vous voyez bien qu'il y a une partie qui est réservée au groupe Tchikumbi. Et vous voyez bien, là, ça nous a fait revivre un peu des moments qui commencent, dont la génération, notre génération, certains n'ont pas connu cela, mais Tifumba est en train de revivre le Tchikumbi. Et en sus de cela, il y a maintenant un peu le modernisme. Vous voyez bien qu'avec les pas de danse qu'on a esquissés tous dans la salle, voilà, c'était pour un peu agrémenter l'ambiance. Ce concert arrive à point nommé. Il aura permis aux artistes, avec l'appui de l'arrangeur international Balo Kanta, de mesurer le travail en profondeur réalisé ces derniers temps. Et surtout, de se mettre déjà dans la peau du prochain nouvel album, dont quelques titres phares ont constitué la clé de voûte du spectacle. Au grand bonheur du président Lely Makusso. Je suis très comblé. Et le travail n'est pas fini. On ne peut pas dire qu'on est arrivé à 100% de notre but. Mais on continue à travailler avec la participation, la touche du grand maestro Balo Kanta. Je pense que l'orchestre avance. Et quand j'essaie de voir... c'est pour ça que je pense que le concert d'aujourd'hui, le thème était la rétrospective donc de Tifoum. En commençant par le premier album, Hommage à Karal, on est passé par Fabien Fafof. Donc le premier album, nous avons présenté le titre Lukam Lumbong. Après, on est passé par Yalu Bettina, Boîte Moulouang, donc notre deuxième album. Après, on a mis quand même quelques titres du prochain album. Il y a eu trois titres du prochain album. Le chant chanté par El Maestro Balo Kanta Kouvindimbila. Vous avez eu le générique et vous avez eu Passintim chanté par Magali. Donc ça sont des chansons du prochain album. Et après, on aurait fini par Biyaoula, qui est notre dernier album, sorti en 2020. Dommage qu'on n'a pas eu le temps de faire la promotion, vu les conditions de la pandémie. Tout ça. Donc voilà. Donc je pourrais dire, entre guillemets, c'est un album un peu sacrifié. Voilà. Qu'on se le dise, l'orchestre dit moderne, Tifoum, après plusieurs années d'existence, se lance désormais sur le marché international en innovant son style plein de douceur et d'authenticité.